Bon, téléspectateurs Eric Conte TV Show, et merci pour, parce que nous toujours faisons le plaisir pour nous brancher l'émission ça, qui c'est une émission socioculturelle qui est faite pour véhiculer culture nous à travers, disons, à travers le monde et pour promouvoir la paix entre deux peuples saoudiens, qui c'est peuple dominicain avec peuple haïtien. Bon, jeudi à son date qui est très très important pour nous, parce que dire plus que jeudi à c'est journée officielle, nous avons lancé le programme ça et sous trois télévisions et sous trois télécâbles et ici. Donc, jeudi a fait Eric Conte TV Show et 3 ans. Et bien, monsieur, nous avons avec nous là, monsieur Augustin qui est ambassadeur d'Haïti, ici en République Dominicaine, en Santo Domingo. Bon, nous disons bienvenue sur Eric Conte TV Show et puis. Activité ça aujourd'hui et qui ça que les symbolise pour vous même exactement? Oui, bon, c'est une activité très importante parce que nous avons célébré aujourd'hui le 218e anniversaire de la POA. La POA, c'est de fonder l'identité haïtienne. Ouais, c'est sûr. À partir de lui, tout ce que vous faites, vertir, fête, 1er janvier 1904, fête. Donc, l'important chaque fois et pour nous commémorer ça, pour rappeler nous, et surtout symbole d'unité que ça a représenté, pour nous unir plus parce que c'est une bagaille qui va nous plus problème aujourd'hui, à nous diviser. Ouais, nous pas qu'à entendre nous sur les bases fondamentales, nous pas qu'à entendre nous sur pour nous repenser par exemple aux constitutions que depuis moment qu'il y a un problème, il faut mettre d'accord pour une nouvelle constitution. Nous pas qu'à entendre nous pour nous renouveler personnel politique à travers les élections. Nous avons plus de travail. Donc chaque fois nous occasion ça, rappelez-nous qui gros effort dans cette nouveauté fait, qui gens pour nous suivre modèle d'union ça. Ouais. Donc c'est en même temps tout pour nous célébrer et journée l'université, ouais, parce que nous avons besoin de savoir pour nous changer le monde là, pour nous transformer le pays là. Et même dans tout, c'est l'occasion, Jean Ouéli, pour nous saluer mémoire et rendre hommage à un gros peintre haïtien qui a vécu presque 40 ans en République dominicaine, qui s'est frissé dans ses dons. Un grand peintre naïf et qui symbolisait d'ailleurs l'amitié haïtienne-dominicaine. Donc c'est tout ça. Et donc, ça met les trois grands moments de gloire qui réunissent nous, journée aujourd'hui, dans le cadre d'activité ça. Ok, monsieur l'ambassadeur, émission socioculturelle qui fait pour véhiculer de culture haïtienne en terre dominicaine. Et nous avons bien aimé un jour pour nous parler de politique avec culture, pour nous mélanger ensemble, mais on ne connaît pas si ça possible pour un jour pour nous parler. Oui, on l'a invité moi et puis il m'a participé. Non, mais je m'ai déplacé même quand il m'a vu le jeune, ambassade là. C'est un problème, avec plaisir. Je profite de saluer les téléspectateurs pour encourager. Un bel travail, ça va faire moi, c'est vous qui réalisez. Et oui, c'est un très bon travail qui fait un bon résumé. Le parcours est pour une très bonne interview avec elle, enfin documentaire là. Donc c'est tout ça, nous besoin. Comme travail en République Dominicaine pour nous avancer, quoi. Bien sûr. Merci, Abil. C'est un plaisir. Au plaisir, partagé. À la prochaine. D'accord. Au plaisir. Ok, mes amis, qui j'en ouais, nous compte saluer déjà Eric Conte TV Show, c'est émission culturelle, socioculturelle qui fait pour véhiculer culture haïtienne ici dans la République Dominicaine. Nous là, nous présents, nous avons un bon service, ou même qui remet culture haïtienne, ou même qui t'a remet promouvoir culture haïtienne ensemble avec nous, ou capable toujours contacter nous, d'ailleurs, contacte-nous toujours sur tous les réseaux sociaux. Nous, Eric Conte TV Show, Facebook, YouTube, Instagram, nous, tous côtés. Eh bien, Eric Conte TV Show, c'est mission pour là, c'est mission qui a fait parler de vous, qui a fait parler bien de vous, ici, dans la République Dominicaine. Kembe là, et puis, bam love là.